chers abonnés, ici Alexandra Pagès Bailly sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour ma part, c'est le cas, je vais mieux, je me porte bien et ça fait du bien. Alors, je vais aborder de nouveau le thème de l'enfant et son parent pervers narcissique, comme lors de ma précédente vidéo. Sauf que là, je vais rentrer un petit peu plus profondément dans l'analyse, c'est-à-dire qui suis-je en tant qu'enfant élevé par un parent pervers narcissique. Donc, l'affirmation de soi est très délicate pour l'enfant qui grandit avec un parent pervers narcissique. N'ayant absolument pas de place réelle, il a beaucoup de mal à se manifester autrement qu'à travers ce qu'il a compris de ce qu'il devait être. L'enfant du pervers narcissique ne réclame jamais grand-chose, il n'est jamais demandeur, quasiment jamais. Et au sein, par exemple, de mon éducation avec mes parents, mon père trop effacé, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, donc mon père était sous emprise de ma mère, et en fait, il n'y avait pas pour moi, hélas, ce tiers séparateur. Donc, ce cadre qui fait que l'enfant a besoin de cet équilibre pour pouvoir s'épanouir. Et donc, j'ai été privée, en quelque sorte, de ce père qui ne trouvait pas sa place dans son rôle paternel. Et donc, ma mère, qui avait cette emprise et avec laquelle je devais constamment me glisser dans le costume tristement étroit qu'on avait confectionné pour moi. Sinon, je serais devenue étrangère. Et il n'y avait pas d'espace pour la contestation qui de toute façon était immédiatement étouffée et violemment réprimée. L'enfant perçoit très tôt, dans ce simulacre d'équilibre, d'intolérance de son parent, à toute forme de différence, à tout ce qui ne lui ressemble pas, la singularité est tabou. La discrète mais réelle dictature ambiante ne laisse évidemment pas de place à la discussion, à l'échange de points de vue différents, puisque rien ne doit risquer de menacer l'ordre établi et le sentiment de toute puissance que le pervers narcissique défend envers et contre tout. Pour ma part, je savais que je pouvais vivre libre ailleurs, que je devais me taire à l'époque si je ne voulais pas être rejetée ou risquée de confronter mon parent à son propre néant. Je ne m'opposais pas de front au pervers narcissique. Je me réfugiais souvent dans le silence, comme si je vivais une retraite spirituelle, ce qui me valait alors d'être définie comme une enfant sage et bien élevée, une enfant modèle qui venait redorer malgré lui le blason du narcissisme de mon parent, qui, incapable de la moindre empathie, à aucun moment ne réalisait l'artificiel de cette attitude. Et ce silence qui s'imposait à moi verrouillait toute verbalisation des sentiments et des affects. La parole avec le pervers narcissique ne s'articule en fait qu'autour de discussions où les émotions ne transparaissent jamais. Tout simplement parce qu'elles sont dangereuses pour lui et risqueraient de l'affaiblir, de le rendre vulnérable et de lui faire perdre son pouvoir. Son discours, souvent empreint d'une culture à vertu protectrice, est toujours sérieux. Sa parole, sa pensée, doit occuper tout l'espace, tant celui des autres que celui de leurs émotions. Ici, on ne s'épanche pas, on raisonne. Ici, on ne vit pas, on est mort. Le fardeau que supporte l'enfant du pervers narcissique a un impact sur ses relations avec le monde extérieur. Sur le plan relationnel, l'enfant dans sa famille témoigne d'une raideur forte vis-à-vis du contact physique. Les rares étreintes avec le parent ne sont pas chaleureuses, comme si l'enfant se préservait de manière inconsciente d'une dangereuse contamination. Au quotidien, ce contact physique se réduisait au strict minimum, comme s'il fallait mettre le plus de distance entre la vie et la mort. Il faut dire que le parent pervers narcissique n'est pas non plus
enclin au contact physique. Sur le plan social, il ne sera pas facile de nouer des contacts avec les autres, d'avoir vécu auprès d'un parent intolérant, à toute différence systématiquement dans le jugement et préoccupé par son image, par l'apparence qu'il a de lui, aura rendu difficile toute spontanéité et toute intégration dans un groupe. Du temps lui sera alors donc nécessaire. L'enfant du pervers narcissique, qui a appris à survivre à la tragédie des faux-semblants, a toujours eu en lui la connaissance intuitive et très précoce qu'il échapperait au piège de son parent et qu'il trouverait dehors la terre qu'il devait conquérir tout seul pour vivre libre. Plus âgé, il sait qu'il est un rescapé, qu'il est passé à côté de ce qui aurait pu l'enterrer vivant, le rendre taciturne ou pire. Et c'est pourquoi il a parfois la rage de vivre, chevillé à l'âme, la rage d'exister, de dire, de se dire, et surtout de partager, de transmettre. Dans ce duel ultra sophistiqué, le pervers narcissique n'est pas parvenu à mettre la voix de son enfant en échec, ni sa richesse, ni sa chaleur. L'immense solitude dans laquelle il l'aura fait vivre pendant des années aura fait naître un sentiment de force et d'indépendance, même s'il met du temps à se révéler. Il a grandi seul, il est devenu fort et avide de liberté, lui qui a connu la prison, l'enfermement. Il saura jouir de la vie d'une manière qui déplaira certainement à son parent, à son propre vide et à son affligeante inconsistance. Tel est le destin d'un enfant parvenu à faire de sa souffrance l'œuvre d'art de sa vie. Alors cependant, les enfants n'ont pas tous, face au drame d'avoir un parent pervers narcissique, ce potentiel de lutte et de survie. Pour la majorité d'entre eux, certains symptômes empreints de souffrance s'expriment très tôt. Viennent alors l'agressivité, les terreurs nocturnes, les troubles alimentaires, les psychosomatisations, les allergies, les maladies, les peurs paniques, les crises de panique. Toutes ces manifestations expriment une soif d'être aimé, regardé et entendu. Tyrannique, coléreux, agressif. Non, en fait, l'enfant n'est pas caractériel. Il est tout simplement en révolte. Dans la consternation familiale du pervers narcissique, on constate que l'enfant est très tôt désigné comme l'héritier du parent pervers. C'est celui qui généralement est le préféré de ce dernier, comme s'il avait reconnu d'emblée celui qui serait digne de lui succéder. Alors peu à peu, une toile d'araignée perverse se tisse autour de l'enfant. Donc voilà, c'était la vidéo du jour sur l'enfant élevé par son parent pervers narcissique, la place qu'il a et ce qu'il est devenu en tant qu'adulte. Les amis et les abonnés, avez-vous été confrontés à un parent pervers narcissique? Si oui, quel adulte êtes-vous devenu? Est-ce que vous vous en êtes sorti ou êtes-vous encore pris dans ce tourbillon infernal qu'est l'emprise? Et au final, ce passé qui nous hante, qui nous suit. Comme je disais, il ne faut pas essayer de s'en échapper, il faut l'appréhender, l'analyser, pouvoir comprendre ce qui s'est passé, faire une introspection, un travail sur soi, et pour permettre d'avoir un certain recul et prendre conscience que on n'attire pas un pervers narcissique comme ça, pour rien. Aujourd'hui, je suis consciente d'avoir grandi, de m'être sortie de ces mécanismes d'emprise, avec certes beaucoup de difficultés, un long chemin parcouru. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir témoigner de ça. Je suis fière de partager cette expérience, fière de pouvoir ouvrir les yeux à certaines victimes
qui commentent notamment mes vidéos, cherchent à comprendre, cherchent à se sortir de ce cercle vicieux. C'est une victoire pour moi si je peux aider toutes ces personnes à prendre conscience que ce qu'elles vivent n'est pas une relation normale. On n'est pas né pour subir les assauts de l'autre. On n'est pas né pour ne pas se faire respecter. On est au monde pour justement transmettre, aimer et être aimé. La vie ne doit pas être vécue comme un calvaire. Donc, je vous invite à analyser cet échange, cette vidéo, me faire un petit retour sur ce que vous êtes aujourd'hui. Et si vous vous en êtes sorti, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir continuer des échanges avec vous. Donc, je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Donc, si ma vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas. Le petit lien s'affiche dans ma vidéo. Donc, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un autre thème. Gros bisous les amis. Je vous embrasse très fort. À très très vite.